Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur Forgotten But Unbroken. On va continuer notre petite aventure, il nous reste encore plein de nazis à tuer, c'est sûr et certain. Et salut Kenton, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien en ce dimanche un peu frais. Du coup, la dernière fois, on avait perdu deux personnes et on avait recruté un péon de type novice. Donc qui en gros n'a rien de particulier pour le moment, il va falloir lui faire gagner au moins un niveau avant qu'il puisse devenir quelque chose. Il est communiste et c'est aussi un moine, ce qui fait qu'il mange très peu. Donc du coup on a potentiellement plus de bouffe pour les autres, ce qui est plutôt pas mal. Et salut Bigref, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Donc pour le moment on peut pas encore lui choisir d'arbre, on verra ce qu'on lui prend. Avec 5 d'intelligence et 6 d'endurance, peut-être qu'un sapeur, ça pourrait faire le taf. Je ne sais pas trop, on verra. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai filé un fusil, parce qu'il avait un PM, mais mine de rien, on a vu que c'était quand même relativement peu efficace au départ. Donc je préfère un petit peu plus d'efficacité potentielle. On avait aussi trouvé, alors j'ai pas pu tout looter malheureusement dans la map, notamment il y avait des munitions que j'ai pas pu prendre, mais on avait quand même looté des uniformes de la Wehrmacht et des caisses de la Wehrmacht. Et en fait du coup ce que j'ai vu c'est que même s'ils ont pas d'effet particulier, on voit pas de bonus d'armure ou quoi que ce soit, bah, en fait ils nous donnent des quick slots, c'est à dire que si on lui file des habits civils à la con, il a un seul quick slot, et si on lui donne un uniforme de la Wehrmacht, il a deux quick slots. Du coup c'est quand même pas mal. Donc bon, bah pour l'instant, on n'a pas grand-chose à mettre dans ces quick slots, mais ça peut servir. Du coup, j'en ai filé un aussi à notre personnage principal pour qu'il puisse embarquer quelques grenades en plus de ses couteaux. Et j'ai filé les casques qui, eux, donnent 20% de protection contre l'explosion, donc c'est plutôt pas mal. Bon, on a un peu sapé comme des soldats allemands, mais que voulez-vous hein. On fait avec ce qu'on a. Je voulais regarder d'ailleurs, là son arme elle est à 58, celle-là elle est à 100%, parfait. On va plutôt lui filer l'arme qui est en pleinement opérationnelle. Là on est tombé à 71, mais on n'a plus que 20% de pénalité grâce à notre petite compétence. J'ai refilé du coup des munitions. Alors il y a une astuce. Quand on est pas en mission, on n'a pas du coup le petit bouton recharge et tout. Là, on peut recharger dans l'inventaire en faisant un clic avec les munitions et en cliquant sur l'arme, là, ça recharge. Donc ça, c'est bon à savoir. Par contre, lui, il a plus masse de munitions pour son Thompson, là, mais... enfin, pour son PPSH. Donc on va voir comment on s'en tire lors de la prochaine mission. Moscou nous aime un petit peu mieux. Du coup, j'ai bien envie d'essayer de leur envoyer une demande de War Supply. On verra si ça fonctionne. 26%, c'est pas peu de chance, mais bon. Et ici, on peut réenvoyer du monde. Et on a bah, ces deux-là. Donc, qu'est-ce que ça fait si j'envoie, du coup? On est à moins 3. Ah, lui, il a 4 de vitesse, non, 4 de dextérité, donc il a un malus si on l'envoie. Et si on fait du bois, par contre, 6 d'endurance, ça donne un petit bonus. Ok. Et lui, 4 d'endurance, donc il a un petit malus, mais globalement, on est à 63%. Vu qu'on a récupéré plein de bouffe sur notre mission, on va essayer de les envoyer couper du bois. De toute façon, pour le moment, on va pas relancer de mission. On a notre chef qui se soigne, lui qui est là en guise de docteur. Le moral est pas ouf, hein. On a eu des pertes, donc ouais, ça pique un peu le moral, bien sûr. Au moins, niveau bouffe, on est pas mal. Ouais, niveau bouffe et médicaments, on est pas mal. Et il devrait revenir le 19 de l'expédition si tout va bien. Ok. Alors, il y a déjà eu quelques petits patchs depuis que j'ai joué. Notamment, on voit que maintenant, on a les petits raccourcis là pour construire. Alors, a priori, ça voudrait dire qu'on peut construire une armurerie. On a ce qu'il faut. Ah non, on n'a pas ce qu'il faut. C'est débloqué parce qu'on peut, alors que l'hôpital, on peut en faire qu'un. Mais on n'a pas la thune. On est bien d'accord.
Il va falloir qu'on éventuellement qu'on fasse un raid sur quelque chose pour pouvoir le faire. Mais j'ai pas l'impression qu'on puisse générer ce genre de mission. Ça nous sera proposé de temps en temps, mais on doit faire avec. Bon, les bestioles ont disparu. Le moral, on peut pas faire les toilettes, on a dit. Ça faisait un peu de dead au moral, les toilettes, mais on peut plus. Non, il nous faut un petit peu de tissu. Je pense que c'était quand même l'hôpital la priorité. On va enlever la pause, on va laisser le temps passer un peu. Au moins que notre expédition avance et que nos soins se fassent. Donc maintenant, on a un vrai docteur en plus, donc ça devrait aller plus vite. J'espère. J'espère. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a deux contacts radio. Alors, Washington. On a reçu des mauvaises nouvelles. L'un des combattants qu'on vous a envoyé a été tué. Eh oui, malheureusement. Nous voulons croire que vous avez fait le maximum pour éviter ça. La guerre est la guerre, et parfois même les meilleurs peuvent tomber, mais s'il vous plaît, essayez de faire mieux la prochaine fois. Ok, on a perdu 5 de relations avec Washington parce que le mec qui nous envoyait est mort. Et du coup... Là, on a globalement le même message de Moscou. Pourtant, on l'a survécu, le mec qui nous envoyait à Moscou. Ah, mais c'est vrai que le sniper est mort, par contre. C'était peut-être un communiste aussi, le mec. Bon, du coup, ils sont pas contents quand on perd des troupes. Très bien, ça va pas être simple. Hein. Du coup, là, on est retombé à 21, et là, on est à 15. Et du coup, on est tombé à 15 aussi avec eux. Ah la vache, ça pique le cul. On a trouvé aucun document... Et bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer 100 balles là je pense hein, pour essayer de voir si on peut avoir quelques ressources. Ça picote un peu. Moins 5 de relations comme ça alors que sur la mission on pouvait gagner entre 5 et 15 et on a gagné bah 6. Du coup mauvais jet. Très mauvais jet. Il y a une petite bouteille d'alcool là dehors, en dehors de l'hôpital. Alors, qu'est-ce qui va nous tomber dessus à la fin de cette journée? Moscou a décidé de nous offrir leur support. Attendez-vous à une livraison d'aide de la part des travailleurs et des soldats héroïques de l'Union soviétique. Utilisez-la avec sagesse pour la gloire de la mère patrie et la victoire inévitable sur les envahisseurs fascistes. Parfait. Au moins, on l'a fait quand on était à 26, donc ça a dû jouer un peu. Ouais, on bouffe 39 de food, hein, donc ça va. Et on utilise un petit peu de médecine, bah, le temps que les mecs soient soignés, n'est-ce pas? Rien de nouveau dans le tutoriel. On n'a pas de mission, on va vérifier, mais attendre la fin de la journée là. Ok, on a un message radio. Et on n'a pas de nouvelle mission. Alors, le message radio, qu'est-ce que c'est donc? Alors, le Spy Network, il décide de rejeter notre requête. L'ennemi est trop actif dans toutes les zones et pour le moment, on est incapable de vous envoyer quoi que ce soit. Putain, ça nous a coûté de la thune, quoi. Et il nous envoie que dalle, les salauds. Bon, faut qu'on améliore notre truc. Faut qu'on essaie de trouver des documents, mais j'en ai pas vu dans la mission qu'on a eue. Par contre, clairement, on voit que quand on termine l'objectif principal, bah c'est fini, quoi. Tous les trucs qu'on a pas pillés, c'est terminé. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit assez efficace dans le pillage avant de lancer les missions, potentiellement. Ok, ici la vie remonte, tranquillement. On a un camp évente, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce qu'ils ont réussi à couper du bois? Non mais vous êtes sérieux hein. Et 63% de chance, hein, ça fait deux fois qu'on se rate quoi.
Bon bah du coup ils sont revenus et ils ont rien trouvé et on a un cooldown. Bah écoutez, c'est comme ça. J'imagine que ça doit pas faire du bien au moral. Ouais. 50% de morale. Bon après, ces trois-là, ils peuvent pas partir. Parce que c'est nos personnages de base, donc ils ont le trait qui fait qu'ils peuvent pas partir. Par contre, le communiste là. Le communiste, potentiellement, il pourrait partir. Et lui aussi. Bon, ok. Donc faut qu'on fasse quand même un peu gaffe à notre morale. En même temps, c'est quand même pas mal la dèche de ressources. Hein. Faut dire ce qui est, on commence pas mal à poil. Alors, ça, c'est quoi? Ah, on a nos trucs qui sont arrivés. Ils nous ont envoyé les ressources promis. Alors, un uniforme US, ok, très bien. Plein de munitions, ça c'est cool. Un petit chapeau soviétique. Et des armes. Allez, on prend tout. On prend tout et du coup, on va aller voir si on n'est pas capable de mettre ça sur des gens. Non, c'est pas ça. C'est ici. Voilà. Donc, qui a quoi? T'as déjà un US uniforme 5e type, ok. Donc a priori il nous donne pas de double truc celui-là. Lui il a un uniforme de camouflage, uniforme soviétique et les autres ils sont déjà équipés. Donc ça a priori pas forcément très intéressant. On peut filer le petit chapeau à notre médecin. 0% de protection, c'est toujours 0%. Hein. Et du coup on a récupéré un peu de munitions. Alors. Toi, t'es quand même plutôt couvert en munitions. Toi, j'ai bien envie de t'en donner un peu plus parce que ça peut cramer quand même vite, très très vite. Et là, 50, en les tirant à coup de 5, ça va. Pareil, là, on est pas mal. On peut prendre une stack de plus. Parce que pourquoi pas. Le médic, il serait peut-être bien quand même avec un uniforme. Il lui donne deux quick slots. Plus de soins. Ça me paraît plutôt une bonne idée. C'est leur morale la barre, ouais, c'est le moral en dessous. Ok. Bon. Il nous faudra une mission pas trop dure. Ok, la recrue a quitté l'hôpital, très bien. Passe le temps. Certaines de nos ressources commencent à être low, ouais. En même temps, je peux renvoyer des gens là? Je peux renvoyer du monde, ok. Putain, la vache, le moral qui se casse la gueule. Alors, si on va chasser, c'est d'abord la vitesse et ensuite la connaissance. Donc là, on a 6 et là, on a un malus. Ok, donc il faudrait qu'on envoie ces deux-là potentiellement. Je sens qu'il y a une mission qui va nous tomber dessus, c'est ça qui m'embête. Non, je vais pas envoyer de monde, on va attendre de voir s'il n'y a pas une mission qui tombe. Ouais, pas simple le moral, hein. Qu'est-ce qu'il nous dit notre adviseur là? Tatata, check des indicateurs. Ok. Ça c'était non, ok, on veut gagner de la familiarité avec nos armes. On chauffe pas pour le moment. On aura des missions spéciales pour raider, on est d'accord. Ouais, c'est ça, ça vient pas tout seul, enfin on peut pas les générer quoi. Bah ouais, je veux bien une crise le moral, mais en attendant, il me faut des trucs à faire, quoi. Camp et vente, qu'est-ce qui se passe? Putain. On s'est fait voler des ressources. Est-ce que c'est causé par le moral bas ou est-ce qu'on a un traître hein, parmi nous? Oh la vache! Tu veux pas nous donner des missions? On a plus de bouffe.
On n'a plus de bouffe. On peut pas vivre seulement d'air pur, vous savez ça, non? Ça pourrait être cool d'avoir quelque chose à manger. Ouais, ben, je suis d'accord, mais... ouais, bon. Ça sent déjà la fin de partie, là. Je pense que je vais recharger au début. Je sais pas s'il y a moyen de générer des... Enfin, si ça peut être aléatoire ou pas, mais... c'est quand même un peu la loose. Du coup, on a dit, toi, on va te filer plutôt ça. On va donner ça au médic. Prennent un peu de soin. Là, on peut les fusionner, ça. Non, c'est pas les mêmes, ça. Ça, c'est un medkit. Ça, c'est un small medkit. D'accord. Ok. Là, on n'a pas rechargé. Hop, on recharge. Toi, tu serais peut-être mieux avec un peu plus de balles quand même. Et du coup, on va leur demander bah, peut-être plutôt des ressources. Hein. On verra si ça fonctionne. Du coup, on va les renvoyer en expédition. Couper du bois. Voilà, on est à 63% de chance. On va espérer, hein, ce que je vous dis, moi. Alors, là, ça, c'est les messages comme quoi on a perdu du monde. Et ils sont bien tristes, hein, et on est bien tristes aussi. Soyez-en certains. Non, eux, maintenant, ils veulent pas, du coup. Alors, est-ce qu'ils ont réussi? Ah, ça a l'air mieux, ça. Ils ont travaillé dur, et ont réussi à couper suffisamment de bois. C'est important de garder à l'esprit que... on doit aller couper du bois loin du camp, et de manière pas trop dense, pour pas... bah, que ce soit... Faut pas que ça soit remarquable. Ouais, c'est pas illogique en même temps. On a récupéré un peu de bois du coup. Par contre, j'avoue que je pensais que la nourriture ça le ferait, mais si on a vraiment pas de mission avant. Avant le 12 août, c'est chaud du cul. Hein. Ça fait un mois avec rien à faire quoi. Du coup, on va quand même tenter une requête. Alors, Washington, il nous aime plus trop. On va demander de la War Supply, voir si ça passe. Ah non, faut que j'attende. On va demander de la War Supply à eux, du coup. Au pire, ça fait un peu d'XP pour l'opérateur radio, c'est déjà ça. L'expédition cooldown, c'est le 31 juillet. Ah ouais, c'est chaud. C'est faux, c'est faux. Ah, parfait, ils vont nous envoyer des trucs. Les ressources ont été choisies pour coller à vos besoins. Donc, nous espérons que vous allez nous faire confiance pour les utiliser stratégiquement. Ouais, bah ouais. Ouais, 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 ouais. Envoyez-moi des missions. Ce serait l'idéal en vrai. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé? Uniforme américain, habit civil, Soviet Marine uniforme, un Walther P38, ok, cool, avec les munitions qui vont avec. Tac, 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 munitions du 9 mm, 7,62, 7,62, du 9 mm. Bien sûr, on prend tout. Ah, je peux pas prendre les... J'ai pas la place, sérieux? Ah, bon alors attendez, les trucs à la con là, ça, ça coûte 400, il nous le faut. Ah mais si, je peux tout prendre. Oui, je peux tout prendre, il suffisait de ranger différemment, par contre notre inventaire est blindé. Notre inventaire est blindé, mais on peut potentiellement filer un peu d'équipement à d'autres gens. Pour toi, tu pourrais prendre ça.
utilises les mêmes armes que ce que tu utilises. Après, t'es blindé d'armes. Entre les couteaux et le pistolet, c'est peut-être pas pertinent. Qui pourrait éventuellement apprécier un pistolet? Toi? Ouais, non, t'as déjà une arme de courte portée, donc plutôt toi. On va te filer quelques munitions, mais pas trop. Uniforme américain, voilà. Deux slots. Je sais pas comment on peut faire pour vendre nos objets. Par contre, ils ont des prix, les objets. Mais je sais pas du tout comment on peut faire pour les vendre. Alors, toi, t'avais quoi? Un uniforme de camouflage. Prends ça, non, ça te donne pas de slot. Et si tu prends ça non plus? Tu veux garder ton uniforme de camouflage, écoute. Et tous les habits civils, je les vendrais bien, hein, techniquement, mais... Mais bon. Encore 2 jours avant de renvoyer une expédition. Il nous donne un pas de mission, ces enfoirés, là. Et nulle part, on est d'accord, je peux pas prendre de trucs. À un moment, c'est sûr que le jeu, à un moment, va nous donner tellement de missions qu'on devra, on devra choisir celle qu'on fait. Mais pour le moment, il nous faut pas assez confiance pour nous donner quoi que ce soit. Et c'est pas cool. C'est pas cool du tout. On va renvoyer une petite demande à Moscou. Envoyez-nous des ressources. De mieux. Et si on peut pas faire mieux, bah demain on... On partira en expédition chercher de la bouffe. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut envoyer? Alors, du coup, toi, t'as des bonus. Toi, t'as ni bonus ni malus, et toi, t'as un malus, donc on va envoyer toi. Je peux envoyer qu'une seule personne. Si j'envoie 2 personnes... Bah ouais, en fait... Je peux envoyer qu'une seule personne, et ça change rien sur les résultats, donc vas-y. Vas-y, Martin! Va donc chasser un peu. Va donc nourrir tes potes, parce que... Mine de rien, même si on a ramené 1000 de la dernière mission, bah c'est un peu la merde. Ici, est-ce qu'on n'a pas les ressources pour construire quelque chose? Il y aiderait un peu. Non. Pas améliorer le baraque, on peut pas améliorer les lits parce qu'on les a déjà tous, et on peut pas faire de poêle parce que ça sert à que dalle. Ça, on peut rien y faire. Et ici, est-ce qu'on peut améliorer des trucs? Non, il nous faut du tissu. Il nous faut masse de tissu. Si jamais on a une mission pour aider un entrepôt, il nous faut du tissu. C'est le principal. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, non, peut-être. Non, ils veulent pas nous aider plus. Alors, camp et vente. Ils ont rien trouvé. Putain. Expédition cooldown, c'est le 13, donc de toute façon, s'il se passe rien, on aura plus de bouffe. C'est hyper dur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est hyper dur. Toujours pas de mission. Ouais, il y a peut-être quand même un bug hein, sur cette preview avec... Ouais, parce que du coup, on a plus de bouffe, quoi. On a plus de bouffe, on n'a pas de mission, et en plus, on n'arrive pas à envoyer les gens chercher de la bouffe, quoi. Vas-y. Alors, est-ce que je pourrais pas envoyer le médecin, là? Si je
t'envoie, toi. Hop. On a besoin de personne ici. Donc toi, t'as un bonus. Et toi, bah non, t'as pas de bonus. Personne n'a de bonus. Tu vas y aller quand même. Il faut nous trouver de la bouffe, là. Ah. Une new mission et un campé-vente. Ils ont pas réussi, mais oh là là, c'est hyper dur de se nourrir. Hein. Bon, au moins on a une mission. Alors, quelque part en Ukraine. Ah, une warhouse. Parfait. 1080 de bois, 810 de fer, 900 de fabrique, 765 tools. 1080 de bouffe, de la médecine, de la monnaie et des relations avec les UK. Eh bah ouais, voilà, go, on y va, carrément. Alors, on a découvert une petite et peu défendue entrepôt ennemi dans un champ assez éloigné. Cet avant-poste est crucial pour les opérations locales de l'ennemi en stockant des ressources importantes qui pourra du coup fonctionner en notre faveur. Notre mission est d'infiltrer l'entrepôt, éliminer toutes les équipes qui sont ici et récupérer toutes les ressources que vous pouvez. Attendez-vous à un peu de minimum de résistance, mais ne me surestimez pas les défenseurs. Une fois que l'équipe sera neutralisée, sécurisez les ressources et cassez-vous avant que des renforts arrivent. Ok. Attention, ok, l'ennemi aurait placé des mines. Bah, on n'a plus de sapeur, il est mort. Comme ça, c'est fait, on va pas s'en occuper. Essayez de chercher. Vous pourriez trouver quelques objets intéressants ou des documents. C'est une opportunité de récupérer le plus possible. Et les trois personnages principaux doivent survivre. Alors, on a la SS Division Adolf Hitler. Ok, bon, on a que 10%. Hein. On a vu que ça peut être des mecs tout à fait... Ah, notre artillerie a neutralisé certaines positions ennemies. Ok, bah, cool. Bah, on va prendre Piu Piu, hein. Allez, viens, Piu Piu. Viens... Oui, tain, par contre, notre wheel il est tout pourri, quoi. Alors. Bah oui, t'es équipé avec ton super uniforme allemand. Voilà, très bien. On a des munitions. On a deux mecs, trois mecs qui ont des couteaux. Ok, on va peut-être filer le couteau à... Bah, je peux plus vraiment le changer, là. À lui. Non, je peux plus vraiment le changer. Ok. Si, je pourrais le changer en le mettant là. Alors c'est un gros truc le couteau. Et peut-être plutôt le soldat qui va prendre le couteau. Le médecin, on va essayer de le garder un peu loin. Un peu loin de la bataille. Et toi, tu pouvais potentiellement utiliser la mitrailleuse de lui. Qui est partie où? Que j'ai jeté sans faire exprès. Ah non, elle est là. Vas-y, prends-la. Elle est en meilleur état. Ok, en fait, il y a des objets cachés. Quand on met le filtre. Intéressant. Ok. On part avec une arme à 100%. 83, 71, mais on n'a pas mieux. 91 ici. Quelques munitions. Un peu plus de munitions, peut-être. Ah, on a du trade ici. Ah non, le trade, c'est pour trade entre personnages. Ok, d'accord. C'est pas pour... C'était pas pour trade de manière globale, ok. Bah ouais, on y va comme ça. On y va comme ça, et puis on va voir. On va essayer de pas se faire trop facilement trouer la peau. Alors, ça c'est quoi? Le moral. Bah ouais, ils ont tous un moral de merde. Parfait. Alors, à quoi ressemble la map? Ici, il y aurait du loot. 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 Ok. Alors, on va rester groupé. On va prendre Martin. Et on va progresser jusque-là. Ok, on a repéré un ennemi ici. Un soldat de type soldat de base. Très bien. On peut progresser jusqu'ici. Sans trop de problèmes.
Toi, tu peux aller jusque là, mais c'est quand même un peu risqué. Y a quand même deux caisses à les récupérer de ce côté. Mais après, on peut essayer de faire un grand tour et d'y aller en mode fouine, hein. Quels sont les objectifs? Tuer tous les ennemis et les gens doivent survivre. Ok. Bon, bah du coup, vas-y. Viens te mettre par là. Pour l'instant, on voit pas d'ennemis. Ça, c'est notre soldat. Il va se mettre par là. Et ça, c'est notre piou-piou. Il va se mettre par là. Allez, passe le tour. Ok, lui, il fait demi-tour. Très bien. Donc, potentiellement, on a moyen d'aller lui mettre un petit coup de koutal. On voit pas d'autres ennemis pour le moment, on va aller jusqu'ici. On voit toujours pas d'autres ennemis pour le moment. Ok. Jusque-là, toi. Là d'ailleurs, vu que tu peux aller jusque-là. Toi, viens là. On va tâcher de prendre les couvertures, hein, même si ça reste pas fifou. Ils ont plus que 3 de points là. Je sais toujours pas ce que c'est que le point en vrai. Ce que ça signifie exactement. Parse. Lui continue sa petite patrouille. Un autre ennemi ici. Très bien. Donc là on voit deux ennemis. Notre objectif va être d'aller faire le tour par là avec Martin. Tu vas déjà aller jusqu'ici, Martin. Puis là. Alors, il est censé y avoir potentiellement des mines, hein. Donc on n'est pas à l'abri qu'à un moment, ça nous pète sous les pieds. On va se placer là, voir si lui, il décide de continuer de venir vers nous. Et toi, tu vas aller chercher ça. Ok, c'est des munitions. 31 munitions de 7,92. Très bien. On pourrait rentrer dans la tente si on le souhaite. Est-ce que ça déclenche des trucs à fouiller dans la tente? On ne dirait pas. Hein. On ne dirait pas, on ne dirait pas. Donc vas-y, toi, mets-toi là. Et on va rester groupé le temps qu'on aille chercher le reste. Lui fait demi-tour, excellent. On peut aussi partir du principe que les endroits où on n'a pas assez d'AP pour loot, pour y aller plus loot. Les endroits où les ennemis marchent, il n'y a probablement pas de mine. Hein, ça paraît pas déconnant. Oh putain, on n'est pas loin d'être détecté par contre là. Ce serait bien de reculer un peu. Toi aussi. S'il va un peu plus vers nous, on est niqué. Toi, replie-toi par là. Ah, on a spoté un autre ennemi. Ok. Ici, il y a un autre soldat de la Wehrmacht seconde division qui patrouille. Très bien. Sidecar. Elle est dehors cette caisse? Non, elle est dedans cette caisse. Elle est dedans. Celle-là aussi. Et celle-là, elle est dehors. Ok. Ok, lui fait demi-tour. Excellent. Et l'autre se barre. Donc ça veut dire qu'on a potentiellement des opportunités d'aller mettre des petits coups de koutal là. Donc déjà, toi, tu ramasses ça. Voilà, parfait. Là, c'est trop loin pour que t'ailles mettre un coup de koutal, mais on va aller jusqu'ici. On a repéré quelqu'un d'autre. Où ça? On l'avait vu. Lui, on l'avait vu. Oh!
Oh, coucou toi. Ok, on va se planquer là. Ici, on reste dans le coin. Oui, on reste dans le coin. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Lui se barre un peu plus, c'est parfait. Et lui, il a fait demi-tour. Ah, alors attention, ah, est-ce qu'il va nous voir mettre un coup de couteau à son pote? Lui, il n'a pas bougé. Ok, très bien. Non, là, on a toujours l'opportunité d'aller dans son dos, par contre. Ce serait bien qu'on puisse se replier après. Ah, mais t'as pas de couteau, toi? Ah, putain, je me suis planté, c'était lui. Merde. Demi-tour. Ah, la vache, ça c'est tendu, hein, l'équipement, c'est tendu, tendu, hein. Si je viens jusqu'ici, c'est chaud. L'autre va probablement se barrer par là. Je peux courir jusqu'ici et tenter de mettre un coup de couteau au prochain tour. Et du coup, lui, bah, si je vais par là, non, il va me voir. Il a pas l'air de trop bouger. Et l'autre est assez loin. On va tenter d'aller se mettre jusque là. Parce que Martin, il a un couteau. Hein. Donc, on va progresser avec le reste de l'équipe quand même pour pas rester trop en arrière en cas de tatane. C'est pas retourné. C'est cool. Il bouge pas. Lui, il continue de se tirer. Ah, il y a des petits documents là. Je sais pas si c'est juste déco. Lui repart par là-bas. Excellent. Alors ici. 18. On pourra mettre un coup de couteau. C'est parti. Vas-y. Monte-le. Normalement, les ennemis peuvent parfois nous laisser du loot. Mais j'ai pas l'impression que c'est trop la thématique. Ouais, on va se rapprocher de l'arbre, là. Alors, ici. Ah, il est trop loin. Je peux pas lui mettre de coup de couteau. Et de mémoire, il va se retourner, là. Il était le plus loin possible. Là, il va se retourner. Il faut qu'on se replie. On a raté cet assassinat pour le moment. On va se replier. On a vu hein, que ça pouvait partir tellement en sucette quand le combat commence que franchement, c'est vraiment un jeu où je vais y aller pépouze, quoi. Déjà, on va sauvegarder. On passe le tour. Ok, lui continue de s'en aller. Je pense qu'il y a un moment où il va faire demi-tour. Voilà, lui a fait demi-tour comme prévu. On a bien fait de se tirer. Et lui continue de partir. Alors on va voir si avec le soldat on peut le contourner pour aller lui mettre un coup de couteau, celui qui est au centre là. C'est toi, Alexander. Si tu cours par là, tu vas être visible. Faudrait plutôt que tu cours par là-bas. Vas-y, cours par là-bas. Et ici, on a cette caisse-là à aller chercher. Alors là, il y a un petit panneau, là. Hartung, qui me fait pas envie. Clairement. Du coup, vas-y, viens par là-bas. Toi, tu attends. Toi, tu vas reculer même un petit peu, au cas où. Toi, tu... Ouais, bon, watch out, mais j'ai mis en watch out, mais normalement, ça le déclenche pas quand il patrouille. Les petits bruits d'oiseaux dans les oreilles, là. Ok, lui se retourne, donc attention qu'il nous voit pas choper leur pote. Non, pour l'instant, ça va. Il va falloir que je vienne jusqu'ici, et après que je le poignarde, ça devrait passer. On va tenter, on court jusque là.
Bien toi qui as le couteau, ouais. On peut même aller jusque là pour gagner des points d'action. Et alors là, du coup, il y a un petit panneau attention, mais est-ce que c'est attention par là ou est-ce que c'est attention par là? On va tester. Si j'essaie d'aller jusqu'à la caisse, ils auraient quand même pas miné leur putain de caisse. Non, c'est bon. On n'a pas assez de points pour looter, mais on va pouvoir looter et se mettre en bonne position. Alors on jettera peut-être juste un petit coup d'œil avant, voir s'il n'y a pas genre un coco qui est derrière là et qui regarde dans cette direction. Du coup, tous les autres, ils restent là où ils sont en attente que ça parte éventuellement en couille. Alors maintenant, est-ce que lui voit son pote? C'est ça qui va jouer. Non, il le voit pas. Excellent. On a une ouverture. Vas-y. Il met un petit coup de couteau. Par contre, après, il va falloir qu'on puisse se replier suffisamment loin. Et c'est peut-être là que ça va coincer. Non, ça devrait le faire. Voilà, bas. Ici, on loot quelques grenades bonus. Parfait. On va aller jeter un oeil par là. On voit personne. Plutôt cool. On va par ici. On va se préparer. Bah, même jusque là, tiens. Allez. On va se préparer à aller mettre un petit coup de couteau. On va commencer à avancer un peu. Quoi? Viens par là. J'essaierai bien de rentrer quand même, voir si ces trucs-là, c'est des documents, mais vu que ça apparaît pas quand je fais halt, là je fais halt, je pense que non. Toi, t'as bougé, hein, ouais. Peux pas bouger plus. J'espère qu'il va pas se faire détecter. Ah oui, lui il va peut-être couvrir son pote par contre. Peux pas le tuer tout de suite. Il y a lui qui est en train de s'approcher de manière assez désagréable, on va dire. Là, il y a des bandages. Okay. Et ça, on sait toujours pas ce que c'est. Donc pour le moment, je vois pas de trucs genre des ressources à récupérer, quoi. On est vraiment en mode. On récupère du loot classique, on va dire. Alors, il faudrait qu'on recule un peu pour toi. Par là. Donc probablement que les ressources de la Warouz, en fait, on les a à la fin, quoi qu'il arrive, quand on a terminé la mission. Et les petits trucs à looter là, c'est du bonus si on arrive à le faire avant la fin de la mission, quoi. Je vais essayer d'aller jusqu'ici. Voilà. Comme ça au moins, ça trigger éventuellement s'il y a des trucs là. Non, il n'y a rien. Bon, on est assez loin. On va passer le tour. Lui, il avance encore d'au moins un cran. Et... Ah putain, ils m'ont vu. Ah, il m'a vu là. Ah, fuck. Il m'a vu là. Ok. Bon. Ça, c'est pas cool. Donc toi, t'as 39% de chance. Tu peux atteindre 60 en visant. Vas-y. Tu te rates. Tu te rates, tu te rates. On va se mettre là, histoire d'avoir au moins une couverture complète. On rate notre 40%, bien évidemment, ce sera trop simple. Alors toi t'es toujours caché. On fonce par là.
Toi, pareil, t'es toujours caché avec ton 1% de chance, tu feras pas grand chose. Là, on a un 35. On va rester en watch out. Où est-ce que tu peux aller en gardant du watch out, toi? Tu peux pas aller, tu peux pas faire grand chose en vrai. Tu peux te mettre là, en overwatch, mais il va faire demi-tour, bien sûr. Ah putain, ah oui. D'accord, mais il tire pas. Ok. On a un M à Garant et des munitions là-bas. Vas-y, va les chercher. Et ici, bah, on va avoiner, hein. Plutôt celui-là, je pense. J'ai plus assez, est-ce que je peux lancer un petit couteau? Non. Ok, donc je vais prendre un peu cher, et s'il meurt, bah... c'est la fin de la mission, tout simplement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va courir jusque là. Pour avoir des couvertures intéressantes. Ouah, tu peux courir jusqu'où? Jusqu'ici, vas-y. Bon, bah on peut pas faire grand chose d'autre. Alors si peut-être que là je peux quand même me replacer de manière un peu plus safe. Genre par exemple là. Et ici on est toujours caché hein, techniquement. Il nous a pas vu lui. Hein. Je vais tirer dessus, logique. Bon, on est à un cran de paniquer. Ah putain, il y a un autre ennemi. Ouais, il y a une petite grenade là. Une petite grenade des familles peut-être. Alors, est-ce qu'on a des gens, d'autres gens qui ont des grenades? Toi, non. Toi, tu as. Mais. T'es un peu trop loin. Il faut combien pour lancer une grenade? 16. 16, 16, 16. Ah, parfait, on voit le là où je peux plus les lancer. On va aller jusqu'ici. On va lancer une petite grenade à l'entrée, là, on peut. Se mettre sur cet angle de vue. C'était pas idéal comme lancer. Pas un angle de fifou, hein. Elle rebondit vers l'extérieur, logique. Ok, prends celui-là. Ok, c'est déjà pas mal. Il est révélé. Bah oui, tu m'étonnes. Alors, toi, tu vas chercher ça. Voilà, et tu ressors. Ok, du coup, ici, on a un petit... Hop. C'était pas hyper efficace comme tir, mais bon. Lui, il saigne. Lui, il est blessé, donc il a moins de chances de toucher, mais ils sont pas en panique encore. Alors, est-ce que je peux me placer à un endroit où je verrai l'ennemi? Pas vraiment. Alors, faut que j'aille jusque là-bas. On va Overwatch. On va reload. Donc, on a des points d'action. Ici, on va Overwatch aussi. Lui, il crève du saignement. Il tente de nous tirer dessus. Il nous rate. Excellent. Alors, toi... T'es un peu loin pour aller chercher le loot, mais tu vas courir.
Ici, on pourrait sortir et se replier quelque part. Est-ce qu'on a un endroit intéressant où se replier? Genre, on se replie là-bas. Et on joue sur nos copains pour éventuellement avoiner le mec s'il décide de sortir. Non, il se cache. Excellent. Et du coup, on va chercher le dernier loot. Ok. Ça, c'est parfait. Redirige-toi vers la sortie. Alors, on va commencer à l'assiéger, le coco, là. Bah, jusqu'ici, tu peux tirer, vas-y. Un petit Overwatch. Toi. Pour le moment, ici, ça a l'air pas mal. Vas-y, Overwatch. Toi, tu vas aller te mettre tout là-bas. Pas d'Overwatch. Fin du tour. On n'a pas pris de tir, ça c'est plutôt cool. Contre l'autre, forcément, il se referme dans sa tente là. Vas-y, va là. On va se préparer à le cerner, hein, c'est pas très grave. Hop. Tout en surveillant la sortie. Toi, tu peux faire un Overwatch là où t'es excellent. Toi, gagne une case encore. Vas-y, Overwatch. Les deux autres, ils se préparent à rentrer et ils font rien. Ah, il sort. Parfait. Assiéger la tente, c'était nickel. Ok, bah ça c'est propre. On a tué 4 ennemis. Ils étaient que 4, on galère tellement. 71% de chance de toucher. Et on a personne qui n'a pris de dégâts. Et ça, c'est beau. Et ça va nous sauver cette foutue mission. Parce que putain, on était tellement dans le mal. Et on a regagné. Oh, 10% avec les Western Allies. Excellent. On va leur faire une petite demande. Une petite demande de ressources. Allez, c'est parti. Et on n'a pas besoin de soins, on est d'accord. Par contre, on a eu zéro loot. On a des niveaux. Et lui, est-ce qu'il a eu son niveau? Même pas. Ah, il faut qu'il gagne 400 points d'XP pour avoir un niveau. Putain, par contre, leur morale, il est resté totalement à chier, quoi. Ah, il a gagné un attribut. Excellent. Ta dextérité, ton intelligence, ton endurance. Non, ta dextérité, c'est bien. Et du coup. Reduce melee damage, ouais. On va lui donner le petit bonus d'expérience niveau 2. Voilà. Et toi, du coup. Plus d'AP, Iron Man, Iron Arms. On va lui donner plus d'AP, c'est quand même un must. Mais lui, par contre, 3 de morale. Ah, putain, j'oublie, on n'est pas en pause. Merde. 3 de morale, il peut complètement décider de partir en couille. Hein. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire ça. Voilà, déjà, ça va aider un peu le moral. Et est-ce qu'on peut faire la kitchen? On peut faire la kitchen. C'est parti, on va lancer la kitchen. Est-ce qu'on peut faire l'armurerie? Ah, on a déjà une construction, c'est vrai. Et ici, il n'y a rien qu'on puisse faire pour améliorer le moral. Hein. Ah, si, on pourrait faire le truc max, ça coûte pas tant. Donc vas-y, on va le passer au tir d'après. Ah non, on peut en faire qu'un. Ok, ça c'est vraiment une amélioration. Et on peut avoir qu'un seul truc en même temps. D'accord. D'accord. Bon. Du coup, on fait la kitchen. On a des petites toilettes, ça va aider au moral, j'espère.
1,5. Pas ouf, 1,5. On n'a pas de mission en cours. On va envoyer une expédition. Non, il y a un cooldown d'expédition jusqu'à... jusqu'au 30, oh, putain. Ça pique, ça pique. Alors, est-ce que les toilettes vont suffire pour qu'on regagne un peu de morale? Non. Pas vraiment. Et du coup, il s'est barré. Putain, il s'est barré avec les ressources? Enfin, avec son inventaire? Il s'est barré avec son inventaire, quoi. Ah mais non, salaud. Rends l'argent, mec. En plus, c'était notre radioman, quoi. Ah, c'est chaud de les garder joyeux, quoi. Enfin, sans déconner. Bon, si on arrive à faire la cuisine, je pense que ça peut carrément aider. Le problème, c'est que j'avais pas vu qu'on était pas en pause quand j'ai rechargé. Quand j'ai terminé la mission. Du coup, on va préparer... Ah, j'ai pas fait les niveaux, ouais, les niveaux. On a dit, tu prends un peu de dextérité et tu prends l'XP et toi... ça. Et vu que t'as looté plein de trucs, alors t'as trouvé un M1 Garand. ...18 AP pour tirer. 18 mètres damage, 20-60, c'est un peu meilleur, 20-50. Ok, de toute façon, on va te le virer de ton inventaire. Et okay. Ça, on peut pas le stack. Vas-y, garde un peu les munitions. Familiarity 0,5 pour toi. Toi, j'ai bien envie de faire de toi un sniper, ouais, ou un sapeur peut-être, mais on a perdu notre, notre petite pince monseigneur aussi, là. Non, on a tellement plus de munitions. Pourquoi t'as ça, toi? Vas-y, dépose-le, et prends d'autres munitions pour être prêt potentiellement. Toi, t'as pas vraiment tiré, toi non plus, toi non plus. Toi, t'as tiré une balle. Au moins, ça nous a pas coûté cher en munitions, cette histoire. On va demander à Londres, hein, plutôt, des ressources. Et le Space Network est toujours à 10%, on a toujours trouvé zéro document. On va faire une petite demande. Au pire, ça nous fera peut-être des petites missions de, d'avoir des trucs de recrutement. Allez, si on arrive à faire la cuisine, je pense qu'il y a moyen qu'on arrive à équilibrer un peu le moral. Là, déjà, il devrait descendre moins vite. Alors, ouais, c'est bon, il descend que de 0,5 par jour. Ok, Londres pense pas pouvoir nous aider, très bien. Il faut tenir 2 mois avant d'avoir la première mission de Warehouse, quoi. C'est... Rien que ça, c'est un challenge en soi, hein. Les douches, elles se feront comment, les douches? Elles sont là, les douches? Alors, on va les faire, oui, bien sûr. On va les faire. C'est hyper important. En plus, ça va... Ça va empêcher un peu qu'on soit malade. Alors, du coup, là, peut-être que ça va diminuer encore moins vite, et peut-être même qu'on va pouvoir les faire remonter quand on aura le kitchen.
Oh, ça remonte. Ouh, ça remonte, magnifique. Donc avec les toilettes et les douches, ça passe. On va quand même faire la finir la kitchen, bien sûr. Et ça, c'est pas avant le 30 août, hein. Ça n'a pas changé. Pas avant le 30 août, ok. Alors, radio station. Les Allemands ont augmenté leur patrouille partout et vérifient tous les véhicules. Donc, pas de nouvelles recrues. Ok, très bien. Pas de soucis. Ah, c'est ça les douches. Ah ouais, c'est artisanal. J'avoue. Ok, la cuisine. Alors, la cuisine, comment ça marche? On peut améliorer des trucs. Des petites pièges à peste, ok. Putain, on n'est pas en pause. Ah là là, quel enfer. Et ici, il faut un chef. Vas-y, viens bosser. Donc là, déjà, on va avoir de la bonne nourriture. Par contre, ça consomme du bois. Donc là, du coup, le moral devrait remonter un peu plus vite. Comment c'est? Paf, c'est là. Du coup, ça, 50 de bois, 40, 25. Ouais, on va le faire tout de suite. Bon, au moins, on a réussi à rééquilibrer un peu le moral. Maintenant, une petite armurerie. Ça me plairait bien. Ça va nous bien gréver nos ressources, mais il faut qu'on les utilise. Ici, est-ce qu'il y a des améliorations qu'on pourrait faire? Plus de lits, un poêle. Pas encore fait le poêle. C'est pas encore. Enfin, quoique, on est. Ouais, on est en août, ça va, on est en août. On va se calmer sur le poêle. Oh, sérieux! Juste au moment où je fais le piège, j'avais oublié d'enlever la peau, j'ai pas fait le piège, du coup, on s'est pris une infestation Nora, quoi. Quel enfer! Quel enfer! Ok, ça augmente l'hygiène du camp, très bien. Et ça diminue la consommation de nourriture. On est passé de 39 à 29 déjà. On va attendre de voir ce qu'on peut potentiellement faire comme amélioration dans l'armurerie. Je peux cliquer? Non, je peux pas cliquer. Pourquoi je peux pas cliquer? Faut que je réduise ça. Tac, voilà. Est-ce que je peux toujours le faire, ça? 500, 500. Ouais, on va le faire. Ah non, il y a déjà l'armurerie, c'est vrai. Pardon. On peut pas le faire encore. Et salut Pascal, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Passe en vitesse 2. New Shul, une crise de morale. Bah, on est en cours, on est en cours. C'est bon, ça va, ça va, ça va. Tout va bien. L'armurerie est terminée. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire dans cette armurerie? Il nous faut un Weapon Master. Go. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ah, on peut lui donner des ordres de réparer. Mais j'imagine que ça nous... Ah, ça nous consomme des outils. D'accord. Alors, order list. Ah oui, elle est là, l'order list. Ok. D'accord. On peut mettre trois trucs en liste d'attente et après c'est verrouillé. J'imagine qu'on va pouvoir améliorer des trucs. Est-ce qu'on peut diminuer? Donc là, on peut faire plusieurs armes simultanément. Ok. Donc là, c'est vraiment l'amélioration de base. Et ça, c'est pour pouvoir faire plus de réparations. Ok, ça, c'est pour améliorer la vitesse. A priori, on n'a pas de moyen de diminuer le coût. Ouais, on est toujours à moins 18. Mais bon, 18, ça va, hein, pour réparer nos... Pour avoir de l'équipement de qualité, on va dire que c'est acceptable. Alors ça ferait quoi? Des meilleurs contacts, plus de communication avec les alliés et plus d'intelligence pour les missions et les événements sur le front.
Et par contre, il faut un générateur. Ok. Bon, bah pour le moment, on n'est pas là encore. Et ça, le shooting range, mais ça nous consomme des munitions, donc ouais. Et là, on n'est pas capable de l'améliorer pour le moment. Niveau nourriture, on est comment? 631, putain, c'est pas ouf. C'est franchement pas ouf. J'améliore ça plutôt. Là, on arrive à remonter le moral, hein. Donc ça va. La nourriture est un vrai problème, surtout que nos expéditions sont totalement à chier. Du coup, j'ai plutôt envie d'aller chercher ça. Ouais, allez, go. Alors dis-moi, pendant ce temps-là, ils sont toujours à 29. Ouais, ça va. Les bonus ne disparaissent pas. Ça m'aurait un peu fait chier. Pas de mission. Non, les relations, c'est correct, mais sans plus. On va sauvegarder. D'ailleurs, on va sauvegarder, mais on va arrêter l'épisode de VOD là. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le bon moment. Je bois un petit coup. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde!